Salut tout le monde, bienvenue sur Duplicate.club. On va jouer aujourd'hui, on est mercredi, c'est jour de partie joker à vocabulaire complet, normal, pas de sélection dans les, pas de préparation dans les tirages. Ça peut être des mots faciles comme des mots difficiles. C'est le hasard qui en décide. Je rappelle le principe de la partie joker. On a un joker à chaque coup. Le joker remplace une lettre dans la solution. Cette lettre, on va aller la chercher dans le reliquat, on la pose sur la grille et on conserve ainsi le joker. Alors, il peut arriver à un moment donné que la lettre en question ne soit plus disponible, auquel cas on laisse le joker sur la grille, on prend le deuxième et on procède de la même façon jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, le faire, faute de lettre disponible, auquel cas on laisse le joker sur la grille et on poursuit la partie normalement. Voilà, donc on tire 7 lettres, enfin 6 lettres à chaque coup, dont 7 lettres, dont un joker, pardon. Et puis, ce qui fait que chaque coup est assez difficile. Hein. Le joker, c'est pas simple à apprivoiser. Et généralement, ce sont des parties qui ont des scores assez élevés, puisque qui dit joker dit augmentation des possibilités et donc des chances de scrabler, de marquer des points, etc., etc. Voilà, allez, sans plus attendre. Ah oui, il y aura le décodage à la fin de la partie, bien sûr. Hein, on passe en revue les isotopes et les sous-topes, les définitions des mots peu courants, et puis les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8 et parfois 9 lettres que nous n'aurions pas vues ni au début du décodage, ni pendant la partie. Voilà, cette fois-ci, c'est bon, je vous ai tout dit. Donc, vous allez. On va démarrer. La partie. Je vous souhaite bien agréable. Non, c'est pas ça. Je sais pas pourquoi il m'a affiché ça. Ne bougez pas. Voilà. Donc, vous n'avez aucune lettre devant vous. Vous prenez votre premier joker. Océanie O. Italie I. Égypte E. Belgique B. Algérie A. Wallonie W. Vous jouez avec Joker, Océanie, Italie, Égypte, Belgique, Algérie et Wallonie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 52 points. Le joker est remplacé par un J de Jordanie. Horizontalement en H8, nous posons Ojibois. O-J-I-B-W-A. Ojibois. H8, ça fait 52 points. Vous aurez les définitions tout à l'heure pendant le décodage.
une lettre au reliquat, Égypte. On a récupéré le premier joker. Et on prend également Tunisie, T, deux fois. Italie, I. Portugal, P. Yougoslavie, Y. Vous jouez avec Égypte, joker, Tunisie deux fois, Italie, Portugal et Yougoslavie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 102 points pour lequel le joker va être remplacé par un S de Suisse. Horizontalement en H8, nous prolongeons Ojibwa en Ojibwe. Donc O-J-I-B-W-A déjà sur la grille. On ajoute le Y et le S de Suisse qui remplace le joker. Ojibwe, O-J-I-B-W-A-Y-S en H8, ça fait 102 points. Un reliquat de 5 lettres, Égypte, Italie, Portugal, Tunisie deux fois. On a récupéré le premier joker et il nous manque une lettre que voici, Kenya K. Kenya, vous jouez donc avec Égypte, Italie, Portugal, Tunisie deux fois, joker et Kenya, chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 51 points. Le joker est remplacé par un A d'Algérie. Horizontalement, en G13, nous posons K. K. Et le A qui remplace le joker. Verticalement, on forme KA et E à Y avec le A et le Y de Ojibwe. K. KA en G13, ça fait 51 points, pardon. Les mêmes lettres au reliquat, les cinq mêmes lettres, Égypte, Italie, Portugal, Tunisie deux fois.
le joker est toujours là et on ajoute Belgique B. Vous jouez avec Égypte, Italie, Portugal, Tunisie deux fois, joker et Belgique. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 30 points. Le joker est remplacé par un U d'Uruguay horizontalement en I11. En collante sous Ojibwe, nous posons U, E, U, T. Le E forme B, le U forme WU et le T forme 4 avec les lettres déjà sur la grille. U, E, U, T en I11, ça fait 30 points. Au reliquat, 4 lettres, Belgique, Italie, Portugal, Tunisie. On ajoute rien du tout, on rejette en fait. Vous rejetez les 4 lettres, vous rejetez le B, le I, le P et le T. Et on repart avec donc le joker qu'on a récupéré, un Belgique B, Grèce G, Algérie A, Égypte E, Océanie O et Roumanie R. Vous jouez avec joker, Belgique, Grèce, Algérie, Égypte, Océanie, Roumanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Quatre-vingt-trois points. Le joker est remplacé par un U d'Uruguay, de nouveau, verticalement en 15 H. En partant du S de Ojibwe, nous descendons Subroja. S, U d'Uruguay qui remplace le joker. B, R, O, G, E, A. Subroja. 15 H, ça fait 83 points.
Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. On récupère le premier joker. Et voici 6 lettres. Roumanie, R. Uruguay, U. Égypte, E, deux fois. Canada, C. Suisse, S. Vous jouez avec Joker, Roumanie, Uruguay, Égypte, deux fois, Canada et Suisse. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 83 points. Faites très attention à la solution choisie. Le joker est remplacé par un S de Suisse, horizontalement en J6. Nous posons césure. C, E, le joker remplacé par un S de Suisse, U, R, E, S. Le E forme B, B et E, et le S forme WU au pluriel, avec les lettres déjà sur la grille. Césure, J6, ça fait 83 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. On a toujours le premier joker et on ajoute Luxembourg L. Norvège, N. Zambie, Z. Océanie, O. Égypte, E. Et Algérie, A. Vous jouez avec Joker, Luxembourg, Norvège, Zambie, Océanie, Égypte et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 85 points. Faites très attention à la place du mot. Le joker va être remplacé par un S de Suisse. Nous jouons horizontalement en K1 pour terminer en dessous des premières lettres de césure en posant zonal. Z-O-N-A-L-E. Et le joker est remplacé par un S de Suisse. Verticalement, on forme CE, CE et SES avec les deux premières lettres de césure. Zonal K1, ça fait 85 points.
aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. On récupère le premier joker. Et on prend également Suisse S. Italie I deux fois. Hongrie H. Algérie A. Et Venezuela V. Vous jouez avec joker, Suisse, Italie deux fois, Hongrie, Algérie, Venezuela. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Le joker va être remplacé par un R de Roumanie pour 84 points verticalement en 4F. En s'appuyant sur le A de zonal, nous descendons Haviré. H, A, V, I, R. Donc R de Roumanie qui remplace le joker, le A de zonal, I, S. Aviré, H-A-V-I-R-A-I-S, en 4F, ça fait 84 points. Après ce Scrabble, de nouveau, aucune lettre au reliquat. On a toujours le premier joker. Et on prend Danemark D, Uruguay U, Maroc M, Italie I, Égypte E, Venezuela V. Vous jouez avec Joker, Danemark, Uruguay, Maroc, Italie, Égypte et Venezuela. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 60 points. Verticalement en 1E, le joker va être remplacé par un I d'Italie. Pour terminer sur le Z de zonal, nous descendons Vidimé, V, I, D. Le joker remplacé par un I d'Italie, M, E et le Z de zonal. Vidimé, V, I, D, I, M, E, Z en 1E, ça vaut 60 points.
Au reliquat, une lettre, Uruguay. On récupère le premier joker. Et voici également Hongrie, H. Algérie, A. Égypte, E. Océanie, O. Et Xénophon, X. Vous jouez avec Uruguay, joker, Hongrie, Algérie, Égypte, Océanie et Xénophon. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 110 points. Le joker va être remplacé par un T de Tunisie. Horizontalement en M2, on appuie sur le S de aviré. Nous posons hosto, H, O, S, le T de Tunisie qui remplace le joker, E, A, U, X. Hosto, H, O, S, T, E, A, U, X en M2 rapporte un score de 110 points. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Après ce Scrabble, encore une fois, un reliquat totalement vide. On récupère le premier joker. Et vous prenez également Maroc M, Égypte E, Maroc M, c'est le deuxième, Uruguay U, Égypte E, c'est le deuxième, et Luxembourg L. Vous jouez avec Joker, Maroc deux fois, Égypte deux fois, Uruguay et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 82 points. Le joker va être remplacé par un G de Grèce verticalement en 2A pour coller à droite des premières lettres de Vidimé. Nous descendons Gémule. G de Grèce donc qui remplace le joker. E, M, M, U, L, E.
au passage en forme vu, il et de avec les trois premières lettres de Vidimé. Gémule, 1 E, pardon, 2 A. Gémule, c'est en 2 A, ça fait 82 points. Aucune lettre au reliquat. On reprend le premier joker. Et puis, Portugal, P. France, F. Égypte, E. Algérie, A. Danemark, D. Et Roumanie, R. Vous jouez avec Joker, Portugal, France, Égypte, Algérie, Danemark et Roumanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Soit 71 points. Le joker est remplacé par un I d'Italie verticalement en 10A. Pour terminer sur le I de Ojibwe, nous descendons défripé. D, E, F, R. Le joker est remplacé par un I d'Italie. P, A et le I de Ojibwe. Défripé. D, E, F, R, I, P, A, I. En 10A, ça fait 71 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Le premier joker est toujours disponible et on prend également Océanie O, Portugal P, Italie I, Danemark D, Norvège N, Italie I, c'est le deuxième. Vous jouez avec Joker, Océanie, Portugal, Italie deux fois, Danemark et Norvège. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé.
un maximum à 72 points. Le joker est remplacé par un A d'Algérie. Horizontalement, en D5, on appuie sur le R de défriper. Nous posons poindré. P-O-I-N-D, le R de défriper, A. Donc le A de Algérie qui remplace le joker et le I final. Poindré D5. Ça vaut 72 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. On a toujours le premier joker. Et voici Roumanie R. Norvège N deux fois. Roumanie R, c'est le deuxième. Égypte E deux fois. Vous jouez avec joker, Roumanie deux fois, Norvège deux fois et Égypte deux fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Le joker est remplacé par un O d'Océanie, permettant un top à 131 points. Horizontalement, en A8, sur le D de défriper, nous posons redonner. R, E, D, le joker remplacé par un O d'Océanie, N, N, E, R. Redonner en A8, ça fait 131 points. Aucune lettre reliquat. On retrouve le premier joker. Québec Q, Québec. Égypte E, Algérie A, Égypte E c'est le deuxième, Luxembourg L deux fois. Vous jouez avec joker, Québec, Égypte deux fois, Algérie et Luxembourg deux fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 57 points. Verticalement, en 8 L, en appui sur le U de Hosto, nous descendons. Et sans utiliser le joker, quel Q, U, E, L. Quel Q, U, E, L. En 8 L, ça fait 57 points. Quatre lettres au reliquat, Algérie, Luxembourg, Algérie, Égypte, Luxembourg et Joker. On ajoute Norvège N, Tunisie T deux fois. Vous jouez avec Algérie, Égypte, Luxembourg, Joker, Norvège et Tunisie deux fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum qui culmine à 61 points. Faites très très attention à la solution choisie et à la lettre que le joker va venir, qui va remplacer le joker, je vais m'en sortir. Donc ce sera un N de Norvège, verticalement en 6A, en appui sur le O de Poindré, nous descendons en Tolan. E, N, T, O de Poindré, L, A, le joker remplacé par un N de Norvège et le T final. En tolant, 6A, ça fait 61 points. Au reliquat, aucune lettre, à part le premier joker qu'on récupère. Et on prend également Uruguay U, Suisse S, Tunisie T, Canada C, Luxembourg L, et Tunisité, c'est le deuxième. Vous jouez avec Joker, Uruguay, Suisse, Tunisie deux fois, Canada et Luxembourg. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 46 points pour lequel on va laisser le joker sur la grille, verticalement en 13C. Pour terminer sur KAT déjà en place et de façon à mettre un T au bout de point de ré, nous descendons Stoka. S, T, le joker reste sur la grille pour remplacer un O d'Océanie, C et KAT déjà en place. Stoka en 13C, S-T-O-C-K-A-T, ça fait 46 points. Trois lettres orbicales, Luxembourg, Tunisie, Uruguay. Vous avez très certainement déjà pris les dernières lettres, à savoir le deuxième joker. Égypte E et France F. Vous jouez avec Luxembourg, Tunisie, Uruguay, joker, Égypte et France. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum pour ce dernier coup à 34 points. Des choses, à mon avis, rarissimes. La partie va se terminer alors qu'il reste le joker, puisqu'on ne l'utilise pas pour ce coup. Horizontalement, en N10, pour terminer sur le E de Subroja, nous posons fluter. F, L, U, T, E. Et le E de Subroja. Fluter. FLUTEE en N10, ça fait 34 points. Voilà, c'était le 18e et dernier coup de cette partie qui affiche un top cumulé de 1294 points. Voilà, une très très belle partie avec 3 coups au-dessus de 100 points, dont un nonuple. On va décoder ça tout de suite. Allez, jingle. Allez, on y va pour décoder cette partie. Alors, un premier coup assez difficile parce que Joker, lettre chère. Ah oui, pardon, juste avant de démarrer, je rappelle, le décodage se déroule en trois temps. Premier temps, on passe en revue tous les coups pour voir les autres possibilités de toper et les sous-tops. Deuxième temps, les définitions des mots peu courants rencontrés dans la partie. Et troisième temps, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7 et 8 lettres et parfois 9 lettres que nous n'aurions pas vues
durant la partie, puis durant le premier temps du décodage, c'est-à-dire dans les sous-tops. Voilà, donc on y va. Donc premier coup, Ojibwa, c'est un coup très très difficile parce que pour deux raisons. Déjà le W en fin de mot, enfin vers la fin des mots, du mot, c'est assez rare. Le mot est pas très connu et puis on a un joker lettre chère. Donc là, ça fait très très mal. Si vous l'avez vu, bravo, bravo, parce que franchement, c'est pas évident du tout. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont contentés de Biwa A36 ou Bowal, Bowal. On verra les définitions tout à l'heure. Et puis l'autre folie de ce coup, c'est que Ojibwa se prolonge d'une lettre avec un Y. On va le voir tout de suite. Au coup suivant. Donc voilà, 102 points, hein, avec le J, le W, le Y, rien que ça, bah, ça fait 3 fois 28, hein, je vous laisse compter. Ça fait 102 points, c'est pas un Scrabble. On a pourtant typicité, typeré, typé à IENT entre 72 et 90 points qui passent en Scrabble, mais le top, Ojibwe avec un Y donc, et le S qui permettent d'aller jusqu'au rouge. Et donc ça multiplie la valeur par 3, ça fait un gros score. Et puis ensuite, on a 54 avec payé qui fait Ojibwe, qui transforme Ojibwa en Ojibwe. On verra les définitions tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je suis affiché sur Biwa. Voilà. Alors, le coup suivant. Voilà, c'est assez rare d'avoir un début de partie avec un mot de 8 lettres sur la grille alors qu'on joue en 7. Alors, pas de Scrabble là sur ce coup. Alors, on a le cas qui pourrait être mis de côté pour Scrabler avec les autres lettres, mais il n'y a rien. C'est assez... C'est assez bizarre. Bon, j'ai dû faire pause 30 secondes parce que j'ai complètement bugué dans ma tête. Comme au premier coup, on a joué un mot d'huile. Enfin, pas au premier coup, mais comme on a sur la grille là un mot d'huile lettre, je me suis switché en mode 7 sur 8 et je me suis dit, bah, c'est bizarre, si on enlève le K, là, on peut jouer étripa, étripant, etc. Pourquoi ça ne scrable pas? Ben, on est, voilà. Alors que c'est un tirage de 7 lettres qu'on a. C'est, voilà. Comme quoi, hein, le cerveau, parfois, ça peut nous jouer des tours. Donc je me disais, mais c'est bizarre que le top, ce soit... K, alors qu'on pourrait scrabler entre guillemets, mais on va pas scrabler avec 6 lettres, hein, il en faut 7. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc le top c'est K, K, A, Joker A, à 51, le K en pivot sur la case bleue. Sous-top, Yak avec le K qui triple. Ticket, le K qui triple également. Ou Atieke en mot compte double, ça fait 32 ou 34. Le coup suivant. Pareil, pas de Scrabble malgré le Joker. On a 30 points avec une petite collante qui récupère le W et le K, U, E, U, T. Sous top A26 avec Waté, adjectif, hein, en partant du W de Ojibwe. Et puis Baillé, AIT ou Baillé, IEZ, 24 points sur AY déjà en place. Petit coup sans grand intérêt. Pour les amateurs de gros scores. Ensuite, Subroja fait 83. En J6, on a plusieurs solutions à 81 points pour former B et E et mettre un S au joker au bout de Wu. Abrogé, Gobera, Robage. Ça fait donc 81. On a 76 avec Bongar en I3 qui forme Jeu. Et Brossage en appui sur le S et qui met K au pluriel. Ça fait 74. Alors là, beaucoup de solutions à 83. Il suffit de mettre le C sur la case triple et de faire ES à la fin pour que ça forme B, du verbe B, ou adjectif, hein, bouche B, et OU au pluriel. Et là, on a une série de solutions à 83, notamment crépu, revécu, couré, qui sont... non, couré non, mais crépu et revécu sont... assez accessible. Cerc est un petit peu plus compliqué. Césure, il faut connaître. Si on fait de la poésie, on connaît ça. Et Sénure,
qui n'est pas très connue, me semble-t-il. Donc tout ça fait 83. Après, en me plaçant mal, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en n'optimisant pas, on n'a pas de. On n'a pas le. On a le Joker qui vient au bout de Wu, ou alors qui se met sur les cases bleues. Ça change le score. 82 avec Creuset, Cérule, 81, Céruse, Cureté, 81, etc., etc. Ensuite, Creuse en triple, en O8, Creusera, Décreusa. Décreuse en N8, ça fait 80 aussi. Le C qui triple, le Mou qui double. Voilà, beaucoup de solutions à 80 à ces deux places-là, que ce soit en N8 en plaçant le C sur la case bleue ou en O8 pour terminer sur le A de Subroja. Tout ça fait 80 points. En 8H également, on a des solutions à 80 points. En partant du haut, ben, il n'y en a que qu'une, hein, c'est O-creuse. Voilà. Le tirage suivant, on a Zonal qui passe pour 79 points. Pour 85 points, pardon. Formance 4, ça fait un peu moins, 79, puisque en K1, le mot double, et ce n'est pas le cas en F7. Azérol ou Azonal, ça fait 70. Azulène également. Zonal en N10, sans scrabler, ça fait 70 aussi, avec le Z qui triple et le Mou qui double. Pareil avec Zangle, Zélote, Zonage, pour 2 points de moins. Tirage suivant, coup suivant, on a joué avirer du verbe avir, qui se conjugue comme finir, avissant, avisson, avissé. 84, Soutop Shivaït à 80, plusieurs graphies, elles s'affichent dans le petit bandeau en bas. Avier du verbe aver cette fois-ci, les deux aver et avir s'affichent aussi dans le bandeau en bas. 60 points sur le triple avec le Z. Avisé 54, Savier 51, etc., etc. Le coup suivant, on ne scrable pas. Je pense qu'il doit y avoir un ou deux appuis possibles avec ce. On a médiévaux en 9 lettres, mais je pense qu'il doit y avoir autre chose en plus court. Donc on a marqué 60 points avec Vidimé. 57 avec mouvier et devier, dévier, enfin dévier, driver et vider, tout ça fait 54 points. Pareil sur le Z de zonal et en atteignant le mot compte triple. Le tirage, le coup suivant, Hosto à 110 points avec le X qui double et le mot qui double. En même place, mais on le décale et du coup le X ne double plus, on a Ouzo. Pardon, pour 90 points. Et Exor en N9, 76, c'est pas un scrap, mais le X triple et le mot double, ça fait un beau score. Alors, le coup suivant, alors là, c'est un coup très 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 difficile parce que c'est un scrabble unique et puis pas évident, évident, faut le connaître. Joker G initial, c'est pas facile non plus. Donc, et puis la place aussi, elle n'est pas spécialement facile. Voilà, donc Gémule à 82. Le sous-top est pas non plus évident. Meltem à 34. Et puis sinon, on a Mémé, Même, Mérule, Meuble, enfin tout ça à cet endroit-là qui forme Mu et Ex. Il y a plein de solutions à A32. Voilà. On verra tout à l'heure s'il y a d'autres appuis avec ce tirage. Alors, le coup suivant, défripa ne passe pas, mais défripé, oui, AI. Scrabble unique, encore une fois, donc pas facile. Sous-top 14B avec Faraday. On termine sur AY déjà en place, ça fait 46. Perfo, perf, périph en L8, ça fait 42 points. Le P qui double en pivot, le mot double, et puis on récupère X. On récupère le X pour quelques points. Voilà. Le tirage suivant, le coup suivant, Poindré à 72, sous-top Oedipien à 64 ou 62. Je vous laisse regarder les places. Et Ophidien,
un joker H à 60. Ensuite, on ne scrablait plus. On avait 37 points maximum avec Pépin en F10 qui formait I4. Alors, en reine en main qui ne passe pas. On a en reine rat par contre hein, sur le A de subrogé. Avec le joker O et puis en rassemblant les deux N, en faisant RE et ER, on peut peut-être trouver assez facilement le top, redonner à 131. Mais pour ça, il faut faire défiler un peu les voyelles quand on cherche avec le joker. Rangrena, pareil que en Renera, 74. Et puis ensuite, en cornet, redonner en 6A. Voilà, et c'est des places un peu moins folichonnes. Alors ensuite, là, pas de place pour scrabler, avec peut-être on aurait eu quoi, laquelle, hein, on verra tout à l'heure s'il y a d'autres appuis. On joue quel, QUL, le Q qui double, le mot qui triple, ça fait 57. Le même mot au féminin, avec cette fois-ci le Q qui triple et le mot qui double, et ben ça fait moins, 56. Et puis on a également quad, quai, quia, à 54, même place que le top. Le tirage suivant, un tirage très très riche en possibilités, mais la grille est assez fermée. Donc, à part le L de Kel et le O de Poindré, on n'a pas beaucoup de place pour scrabler. Donc, il y a Taillant et Taille en bas, et sur le O de Poindré, Pelotan, Palote, Étiolant, Entolé, Entoila. Il y a aussi Étoilant. Mais ça bute sur CE, donc ça passe pas. Donc nous, on a retenu Entolant. Le tirage d'après ne scrable pas, enfin en tout cas pas sur la grille. Il y a culotte, culotta peut-être en appui. On verra ça de façon plus exhaustive tout à l'heure. Là, c'est un joli stocka bien placé. Alors transformer KAT en stocka ou en n'importe quel autre verbe qui se termine par KER. Il fallait y penser. Ça faisait donc 46 avec le T au bout de Poindré. Sous top Q, CUL à 35 et SIL, CIL à 31. Ça se passe en E4 pour transformer avirer du verbe avir en chavirer du verbe chavirer. Une jolie petite place. Et puis enfin, le dernier coup, alors c'est assez incroyable, on garde le joker jusqu'à la fin, donc on va rester avec un joker inutilisé. Fluté et E à 34, sous top fauté, alors le verbe fauté a un sens a priori intransitif, hein. on faute, point final, il n'y a pas de complément d'objet, mais il y a une, je vais vous la mettre, il y a une exception transitive, c'est ce qu'on appelle la monnaie fautée. C'est une pièce qui présente un défaut. Voilà, donc c'est plutôt un adjectif, en fait, qui dit, à mon sens, hein, je ne suis pas lexicographe, mais pour moi, ce serait plutôt un adjectif, fauté, et eux. Mais voilà, l'essentiel, de toute façon, c'est de savoir que ça, c'est admis. Et puis, tout un tas de solutions à cet endroit-là, à 32 points, avec le F qui triple et le mot qui double, fécule, fêlure, férule, feutre, fileté, flénu, etc., etc. Plein de choses, fleurée, fleuve. Voilà. Donc, on a terminé le passage en revue, donc le premier temps du décodage, le passage en revue des sous-tops et des isotopes de chaque coup. On passe maintenant aux définitions. Donc, je les fais défiler. Elles ne sont pas forcément dans l'ordre d'apparition dans la partie, hein, puisque bon, je prépare et puis ensuite j'en ajoute. Donc voilà la preuve là avec fauté par exemple. Alors Ojibwa, ça s'écrit soit avec un A, soit avec AY à la fin. C'est un adjectif qui qualifie un peuple amérindien. Bowal, pluriel ALS, en géologie c'est une carapace de latérite fréquente en Afrique. Le Biwa est un luth japonais. Le Yak avec ou sans C, ruminant du Tibet au pelage long et épais. Waté. Donc, et ou ee, c'est un adjectif uniquement, ne jouez pas le verbe waté, désigne un courant alternatif dont l'intensité et la tension sont en phase. Avir, brûler un mets quand on cuisine, hein, à l'extérieur sans cuire l'intérieur. Subroger signifie substituer.
Have, je l'ai mis pour parce qu'il ressemble à Avir. On ne l'a pas rencontré dans la partie, mais je l'ai mis. Découpé parallèlement au strat. La césure, c'est une coupure à l'intérieur d'un vers, en poésie. Hein. Ce n'est pas de la dissection, ce n'est pas le même vers. Le sénurore, qui s'écrit également C-O-E dans l'eau, N-U-R-E, est un ténia parasite du chien. Donc dans les deux cas, on est en lien avec les vers, mais ce n'est pas la même chose. Zonal, adjectif féminin E et puis pluriel AUX, hein, les déclinaisons classiques. En géologie, c'est relatif à une zone spécifique de la Terre, et en zoologie, ça désigne un animal, donc à bande transversale colorée. Pardon, animal, oui, animal, zoologie. Azonal, adjectif qui se construit de la même façon. Donc je l'ai mis parce qu'on peut rajouter un A devant zonal. Là, on ne pouvait pas parce que la grille ne le permettait pas, mais sinon, d'une manière générale, quand on joue zonal, on met un A devant, on peut mettre un A devant, qui concerne n'importe quel point du globe. Shivaite, alors ça s'écrit, là on l'avait joué, on pouvait le jouer S-H-I-V-A-I-T-E, on peut également jouer S-I ou C-C-D-I, ça se prononce Shivaite, d'ailleurs je crois que c'est la seule, ça doit être rare un C-C-D-I devant un I, et c'est un adepte du, c'est un adjectif qui désigne les adeptes du shivaïsme. Faraday, unité électrique utilisée en électrolyse. Vidimé en droit signifie certifié par un vidimus, le vidimus étant une attestation de conformité à un original. Antolé, voler son client en parlant d'une ou je sais pas pourquoi c'est féminin, mais en parlant d'une prostituée. Gémule, en botanique, c'est un premier bourgeon. J'ai hâte d'en avoir, moi qui aime beaucoup les plantes et qui en ai quelques-unes par chez moi. Entoilé, fixé sur une toile. Enrainé, munir de rennes. Et puis fauté, la monnaie, on l'avait vu. Ouzo. Bonne question, tiens, comment ça se prononce, Ouzo. C'est une jambière. Meltem, un vent du nord qui souffle sur la mer Égée en été. Ophidien, ophidienne, adjectif de la nature du serpent. Et c'est également un ophidien étant un serpent en particulier. Voilà, bon, on a tout vu. Maintenant, on va passer aux potentialités des tirages. Donc, j'affiche la fenêtre qu'il faut. Je reviens en début de partie. Et on y va. Alors. Ah, le premier tirage est splendide. C'est-à-dire que si on avait été en cours de partie avec un D ou un R, on pouvait jouer web radio. Et puis au pluriel, avec en 9 lettres, ainsi que Obvaldien et Wombatidé. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, le tirage suivant. Donc là, on avait vu typicité, typeret, etc. On a également Tiflite, T-Y-P-H-L-I-T-E. Allez, j'ose les 9 lettres. Leptinite. Styptique. Triptyque. Alors, le tirage d'après. Rien en 7, rien en 8 et rien en 9. Baptiste sur un A ou un S en 8 lettres et en 9. Baptiste ENT, bipartite et Baptiste au pluriel. Alors là, il va y avoir plein de choses. Gobera, bah déjà ce qu'on a vu. Et puis tous les abrogés, bocagés. Oula, il y en a trop. Embargo et ombrage, duo binôme intéressant, brochage, goberja avec 2 G,
Bon, je vais voir en bas, broyage, bronzage. Et puis ça ira bien comme ça parce qu'il y en a beaucoup trop. Là, ça va être pareil. J'y vais même pas, ça sert à rien. Alors, ici, on a eu zonal. On a quoi? Allongé. Alors, calzone. Les autres, on les avait vus. Calzone au pluriel. Allongé, galonné, gasoline, louangé. Zonalité, jalonné. Et talonné. Bon, et bien ceux-là, on les avait vus. Avec le Joker, on va avoir chaviré, archivé en plus. Shivaït au pluriel. Et quoi d'autre? Bon, tous les avissés, ouais. Avirion, bah, toutes les conjugaisons de avir. Hiverné. Et shivaïsme. Alors, c'est ce tirage-là qui m'a intrigué un peu, là. Eh bien, rien en 7, rien en 8 et en 9. Médiévaux, marivaudés, alors, ici, on a eu Ouzo et Ousto. Autre possibilité en 8 lettres, chaoteux. Et en 9, Bioro, Obero, Touchot. Et c'est tout. Bon là, Gémule sec, Emplumé et Mamelu, donc deux autres possibilités qui ne passaient pas. Émulam, Mameluk, Melam, Immeuble, Rammoule. Bon, tous les emplumés, remplumés. Et puis c'est tout. Alors là, des fripas et parfonde. Ici, Poindré, bah, ça on les a tous vus, ils passaient tous. J'ajoute une lettre, mais on va avoir les pluriels, les ST, il y a trop de choses là. Diaphonie, Diaprion, Indisposa, c'est joli. Palinodie, Phocidien. Ok. Là, c'est même pas la peine. Non, c'est pas le bon tirage. Il y en a pas mal, on les a vus. Vérane, 2R, 2N, on n'avait pas vu. Renoncer, étrenner, reprennent, etc. Voilà, Ornère, Yvette, Tonnerre, Innervé, Interné. Ok, le tirage suivant. Alors là, j'avais vu laquelle. Est-ce qu'il y a autre chose? Querella. Ouh, ça c'est dur. Querella, je trouve que c'est très difficile à trouver ça. Et en 9 lettres, aquarelle, craquelle, allélique, maquillée. Les conjugaisons de querella. Les autres conjugaisons de querellé, du coup. Et c'est tout. Bon, là, c'est même pas la peine. Il y en aura 4000. Ici, donc à part culotte, culotta, on a sculpta. Voilà, trois possibilités avec ce tirage. Et avec une lettre d'appui en plus, on va avoir sculptant, sculpté, etc. Alors, ausculta, claustra. C'est quoi claustra? C'est le verbe claustrer? Eh bien, je ne savais pas que c'était admis, claustra comme verbe. Pour moi, c'est cloîtré. Eh bien, voilà, hein, on en apprend tous les jours. Pour moi, claustra, c'est un nom féminin, un nom,
Or féminin ou masculin. Voilà, une paroi ajourée, ça je connaissais, mais je ne savais pas que c'était un verbe également. Voyez, on en apprend tous les jours, à tous les niveaux. Alors, ensuite, et puis là, c'était le dernier coup, donc plus rien à dire. Voilà, mais écoutez, merci d'avoir suivi cette partie et son décodage. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà, à inviter vos camarades de jeu, vos proches, etc., enfin tous ceux que vous avez envie d'embarquer dans l'aventure. Et puis pour celles et ceux qui le peuvent, il y a une petite cagnotte qui est ouverte pour nous aider financièrement, parce que c'est beaucoup de boulot cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir. Voilà, je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.